Good morning, Alaïd, et ce sera aujourd'hui le Lunishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther, Lucian Bat Reina, Eliyahu Vanish, ainsi que le Rifat Shlomo Eliezer Ben Chavalea, Chaim Gershon Ben Freda Rivka. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Nedarim, Perek Vav Mishnah Chet, Anoder Minat Marim, Mutar Bidvash Marim, Mil Sitvaniyot, Mutar Bachomet Sitvaniyot, Rabbi Yehuda Ben Betera Omer, Kol Sheshem Toladeto Kiruya Alav, Venoder Emenu, Asur Av Bayotse Emenu, Vachachamim Matirin. Je traduis, Anoder Minat Marim, celui qui fait le neder de ne pas manger des dattes, Moutar Bidvash Tfarim, des Bidvash Tmarim, il aura le droit de prendre le miel des dattes. Mis Sitvaniyot, s'il fait le neder de ne pas manger des Sitvaniyot, qui sont une espèce de petits raisins qui traînent, qu'on laisse sur l'arbre, qui ne se développent pas, qui sont très acides, et l'usage était de récupérer ces petits, on les appelle sitvaniot au nom du stave de l'automne, parce qu'on les laisse sur l'arbre, et puis ils grandissent toujours pas, finalement on les prend, et on fait avec ça un chometz, un vinaigre avec, et avec un vinaigre spécial qui venait du chometz sitvaniot. C'était un chometz qui avait de nouveau un attribut, un épithète, je sais pas comment dire, un adjectif, pour qu'il qualifiait de chometz sitvaniot, et donc il est permis de ce vin. J'explique un peu mieux de quoi ça parle. On a une question générale. En fait, vous savez quoi? On va continuer encore une phrase, vous allez mieux comprendre. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera me dit non. Kol Sheshem Toladeto Kruya Alav, Venoder Emenu Asur Av Bayosemenu. Rabbi Yehuda ben Betera me dit non. Tout objet, fruit, aliment, qui a Shem Toladeto Kruya Alav, qui a le nom de ce qui découle de lui, qui garde, qui préserve son nom dessus, Venoder Emenu, et il fait le neder de la chose mère, alors Asur Af Bayosemenu, il sera interdit même de ce qui provient d'elle. On va expliquer de quoi on parle, c'est très simple. Je vais poser une question. On va prendre du... on va prendre des exemples qui sont apportés ici, pourquoi pas. Je m'interdis de prendre des dates. Maintenant, à part ça, vous savez qu'à part les dates, on mange aussi il y a aussi le silan en français, là, c'est à la mode en ce moment, du dvash tmarim, du miel de date. Du miel de date. C'est un nom spécial qu'on appelle le miel de date. C'est pas du miel. Le miel, en général, quand on parle de miel, on parle du miel des abeilles. Mais quand on dit le miel dans la langue courante, on fait attention, on fait référence au miel des abeilles. Mais lorsqu'on dit du miel de date, alors on fait référence au miel qui provient des dattes. Je me suis interdit les dattes. Est-ce que je me suis aussi interdit le produit qui découle de l'objet mère? Il y a l'objet mère et l'objet fils. Je m'interdis l'objet mère. Est-ce que la tolada, le produit qui va être produit de l'objet mère, qui préserve le nom en tant qu'épithète, il préserve le nom de la mère, est-ce que il est aussi lui aussi interdit? On a sur ça une marloquette. On a Tanakama qui me dit, écoute-moi, lorsque tu t'interdis, si je m'interdis de manger du raisin, j'ai le droit de boire du jus de raisin. M'interdis des oranges, j'ai le droit de boire du jus d'orange. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus des oranges, c'est du jus d'orange. C'est du dvash, c'est devenu un produit. Ouais, je donne un exemple, je ne m'engage pas dans ce que je dis, je ne suis pas sûr que c'est exactement pour la rap, peut-être qu'il y aurait des petites nuances, mais je veux juste expliquer le principe. Ouais, tu t'interdis l'objet mère, donc ce qui est le produit qui découle de lui, il est, s'il prend lui aussi le nom de la mère, sur ça, on a la marloquette. Tanakama, il me dit, c'est permis parce que c'est un autre objet. Et on a Rabbi Yehuda ben Betera qui va me dire, non, cette fois-ci, c'est interdit parce que le produit, il porte le nom de la mère. Donc, en fait, si en français, on va appeler le... Vous savez quoi, le silan, je ne sais pas exactement comment c'est fait, c'est pas exactement du miel de date, c'est un liquide qui découle de la date, je ne sais pas comment est-ce qu'on le fabrique. Une sorte, on l'utilise beaucoup en cuisson et tout ça. Lui, on n'appelle pas le silan de date, on appelle le silan. Dans ce cas-là, tu as été nodaire sur les dates, c'est sûr que tu as le droit de prendre le silan. Mais si tu prends du miel de date, tu n'as pas le droit de le prendre. Sitvaniot, de nouveau, c'est ces petits raisins, on a dit, ces petits raisins qui sont très acides et qu'on fait dans un chromette spécial. Alors Marloket, Tanakama, il va me dire, tu as le droit de prendre le chromette sitvaniot, de l'utiliser, tandis que Rabbi Yehuda ben Betera va me l'interdire. Pour le moment, c'est les deux avis. On a un troisième avis qui vient qui me dit « Vachachamim matirim »« Chachamim vont permettre » Apparemment, c'est « Chachamim » c'est la même chose que le premier avis de la Mishnah. Or, c'est pas possible que ça se répète pour rien. Et le Bartanois, il nous rapporte deux explications. On va se contenter de la première.
qui va m'expliquer en fait, Ramim, ils contestent sur un petit détail. L'histoire des sitvaniyot. Les sitvaniyot, là, les petits raisins aigres, avec lesquels on fait du vinaigre, celui qui s'interdit les sitvaniyot, ben figurez-vous que c'est tout le contraire. Il a le droit de manger les petits sitvaniyot, mais il n'a pas le droit de manger le vin, le vinaigre des sitvaniyot. Pour quelle raison, selon l'avis de Chachamim, le dernier avis de Mishnah? Parce que Chachamim, ils disent comme ça, ils disent, les petits raisins aigres, ça ne se mange pas du tout. Si ça ne se mange pas du tout, lorsque tu as fait le néder, de ce que tu ne vas pas manger, tu ne vas pas faire le néder que tu ne vas pas manger du bois. Tu ne vas pas faire le néder que tu ne vas pas manger du quelque chose qui n'est pas consommable en l'état, mais que la seule manière de le consommer, c'est le produit qui va découler de lui. En l'occurrence, les sitvaniyot, c'est des petits raisins, un site que personne ne met en bouche. Le mieux qu'on peut faire avec eux, c'est faire du vinaigre. Même si tu t'interdis que les sitvaniyot, figure-toi que tu t'es interdit le chometz sitvaniyot, le vinaigre qui provient des sitvaniyot, mais pas les sitvaniyot elles-mêmes. C'est clair? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, v'salam.